Bonsoir à tous. Merci de votre fidélité. Vous êtes sur Télé Sud, c'est l'entretien du jour. Entretien euh, du jour aujourd'hui avec monsieur Cadré Désiré Redragogo, c'est le président de la commission de la CDAO. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté notre invitation lors d'un voyage euh, que vous faites ici à Paris et vous arrivez en France. Dans une situation un peu particulière, vous qui êtes à la tête de cette commission d'une partie de, de, de l'Afrique, la commission des, des États de l'Afrique de l'Ouest. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme message à donner aux Français qui sont touchés par ces attentats, euh, justement, dus à ce qu'on appelle l'islamisme radical, que vous connaissez aussi dans euh, certains, euh, notamment au Niger ou au Nigeria. Bien, je voudrais d'abord, euh, au nom de toutes les institutions de la CDAO, et au mien propre, euh, adressé à la nation française euh, notre message de compassion et de solidarité devant cette euh, dure épreuve. La CDAO condamne avec rigueur ces actes barbares et redit sa disponibilité à œuvrer avec euh, le gouvernement français pour euh, venir à bout de ce terrorisme. Nous savons que la France a été aux côtés de la CDAO au moment où nous-mêmes nous avons été confrontés à cette situation difficile nous n'oublions pas cette action nous redisons notre gratitude à la France et nous lui exprimons notre solidarité en ce moment difficile et la disponibilité de la CDO à se mobiliser ensemble avec la communauté internationale pour que nous puissions vaincre ces ennemis de la liberté et ces combats de l'obscurantisme et de l'extrémisme. Et justement, pour cela, pour ce type d'attentat, il faut une solidarité internationale Absolument. C'est une situation qui doit être gérée par Toulouse parce que c'est une situation qui concerne la sécurité internationale. Chacun a le devoir d'apporter sa contribution et la CDAO apportera toujours sa contribution à la lutte contre le terrorisme. Alors, vous êtes en train justement de lutter contre ce terrorisme au Niger, au Nigeria. On a vu il n'y a pas si longtemps, il y a encore eu des actions de Boko Haram. Absolument. Au Mali, la France a été à vos côtés. Où en est-on justement dans cette opération au Mali notamment Bien, vous savez que confronté à cette situation au niveau de notre sous-région, la CDAO a adopté depuis février 2013 une stratégie de lutte antiterroriste que nous sommes en train de mettre en application actuellement, qui comporte une coopération plus rapprochée entre les services de renseignement des différents pays membres de la communauté et également un renforcement de notre dispositif juridique et en même temps un échange d'informations entre les forces de défense et de sécurité de chacun des États savez que la CDAO était impliquée dans le Nord Mali. Et jusqu'à présent, nous avons plus de 4000 hommes de notre communauté qui servent sous le mandat de la MINUSMA, toujours dans ce combat contre l'extrémisme et le terrorisme. Et plus près de nous, de notre siège au Nigeria, avec la secte Boko Haram, la CDAO est de tout cœur et en solidarité avec le gouvernement du Nigeria et de tous les pays limitrophes du Nigeria pour combattre ces fléaux. On a l'impression, Monsieur le Président, que ces pays euh, sont euh, impuissants à gérer ce type euh, de, 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 de groupe de bandits, ce groupe de, de barbares, on peut dire les mots, qui prennent en otage euh, des enfants, qui tuent, euh, qui martyrisent. Euh, comment expliquer que, après les indépendances, les pays africains ne soient pas à même euh, seuls de gérer ce type d'attaque Mais il faut se rendre compte que nous sommes là dans une situation particulière de ce qu'on appelle la guerre asymétrique. Nos armées étaient préparées plutôt à la guerre conventionnelle et surtout aux stratégies de défense du territoire. Nous sommes actuellement dans un environnement tout autre où nous faisons face à des terroristes qui prennent en otage des populations et dont les modalités d'intervention sont différentes des modes d'intervention classiques de nos armées. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, tirant leçon de l'expérience que nous avons vécue au Mali, nous avons entrepris de réformer toute notre stratégie des forces en attente de la CDAO. Ces forces étaient destinées au maintien de la paix. Or, nous sommes dans une situation où il ne s'agit plus de maintenir la paix, mais d'avoir une attitude offensive et combattre des groupes terroristes. Il faut donc une autre philosophie, une autre stratégie, c'est ce que nous sommes en train de faire, tout en renforçant l'équipement et l'entraînement des troupes pour leur permettre de jouer leur rôle dans le cadre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont la force en attente de la CDAO est une des cinq brigades. – Alors vous êtes à la tête de cette commission depuis le 1er mars 2012, euh, ça est, est, donc c'est devenu cette commission avec plus de pouvoir, la commission économique des États d'Afrique de l'Ouest, après avoir été secrétaire exécutif de cette maison, donc que vous connaissez bien, vous avez été Premier ministre également à de Blaise Compaoré entre 1996 et 2000, euh, est-ce que aujourd'hui, la CDAO a les moyens de mener cette politique-là qui est donc de… Euh, de l'intégration économique et de développement dans cette partie de la sous-région de l'Afrique Absolument, et c'est la raison pour laquelle la CDAO adapte sa structure et ses méthodes d'intervention à son environnement actuel. Vous savez que nous sommes passés d'un secrétariat exécutif depuis la création de la communauté à une commission à partir de 2007, une commission de neuf membres un président, un vice-président et sept commissaires. Eh bien, à partir de février 2014, oui. la commission de la CDO s'est élargie pour avoir maintenant 15 membres, ça veut dire un commissaire par pays et un président, un vice-président et 13 commissaires. Bien sûr, cela implique également une redistribution du travail, c'est ce qui a été fait. De même également que tous les exécutifs de la CDA ont été renouvelés, que ce soit la Cour de justice, que ce soit l'Organisation Ouest-Africaine de la Santé, que ce soit le JIABA, ont connu un renouvellement de leur organe dirigeant. Si bien que la CDA se met en ordre de marche pour affronter les nouveaux défis qui sont sur sa route au moment où elle s'apprête à fêter les 40 ans de son existence. Donc c'est une évolution que vous jugez euh, aujourd'hui positive. Euh, parlons concrètement, M. le Président, des échanges, notamment entre les États membres. Selon un article que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans, dans Jeune Afrique, on dit qu'il y a euh, moins de 10% d'échanges euh, du commerce régional entre les pays de la CDAO. Comment faire pour changer cela C'est exact, nous devons absolument tout faire pour accroître le volume du commerce intra-régional. Parce que la priorité de développement de nos États... Doit être d'abord de créer un marché régional viable. Comment créer ce marché si nous n'échangeons pas entre nous Alors la problématique est d'accroître ce niveau des échanges intracommunautaires qui sont, comme vous avez dit actuellement, oui. situés aux environs de 10% oui. de notre commerce. Mais nous pouvons le faire à condition de rassembler les conditions nécessaires pour ce développement des échanges intracommunautaires, c'est-à-dire continuer toujours les efforts pour la libéralisation de la circulation des hommes et des biens mais surtout entreprendre de mettre en place des infrastructures régionales viables. Il faut des routes de désenclavement, il faut des chemins de fer, il faut des lignes aériennes, il faut des communications. C'est tout cela qui va permettre de développer le commerce intracommunautaire. Mais en plus de ces infrastructures régionales, il faut également des hommes et des femmes bien formées, d'où l'importance de renforcement des capacités, de la formation de notre jeunesse, des universités, des universités également, des mmh. centres de recherche mmh. pour nous permettre d'avoir les ressources humaines nécessaires pour animer ce commerce intra-régional. Mais je voudrais simplement rappeler, malgré donc cette faiblesse statistique qu'on constate toujours, qu'il ne faut pas oublier l'importance du commerce transfrontalier et du commerce informel qui est important au niveau de notre zone. Et il ne faut pas oublier également dans ces statistiques l'effet des produits pétroliers. Vous savez qu'une étude de la Banque mondiale a montré que lorsqu'on retranche les produits pétroliers de notre commerce mondial, eh bien, le niveau des échanges intracommunautaires avoisine les 50% dans notre zone. Donc il y a quelque part une influence également de l'exportation de produits pétroliers qui influe sur ces statistiques. Mais cela n'enlève en rien à la nécessité que nous avons de booster le commerce intra-régional et donc de promouvoir les échanges des États entre eux. La création du tarif douanier extérieur, décision prise en octobre 2013 au sommet extraordinaire de la CDAO, qui doit entrer en vigueur ces jours-ci. Absolument. Est-ce que c'est le cas? Le tarif extérieur commun de la CDAO est entré en vigueur le 1er janvier de cette année. C'est officiel. C'est officiel et il doit permettre de construire et de consolider notre marché régional. Mmh. En adoptant un tarif extérieur commun, les 15 États de la CDAO deviennent donc une union douanière. Ça veut dire qu'ils ont le même cordon douanier vis-à-vis du reste du monde et à l'intérieur de ce cordon douanier, les produits et les marchandises circulent librement, sans droits de douane et sans contingentement. Donc c'est une étape importante vers la construction du marché commun qui est notre objectif fondamental. Alors aujourd'hui, il y a votre pays, le Burkina Faso, qui connaît une transition. Vous avez été premier ministre de ce pays, vous avez travaillé avec l'ancien président, Blaise Compaoré. Est-ce que vous l'avez eu au téléphone depuis qu'il n'est plus au pouvoir, vous êtes parlé ou pas non, pas, pas exactement, mais je voudrais dire au sujet de la transition au Burkina mmh. Faso que la CDAO a été constamment aux côtés du Burkina Faso pour l'aider à franchir cette étape difficile de son évolution. Et je voudrais saisir l'occasion pour dire notre appréciation. À toutes les forces vives du Burkina Faso pour le consensus avec lequel ils ont réussi en très peu de temps à asseoir une transition consensuelle. Et la CDAO, en même temps que l'Union africaine et les Nations unies et la communauté internationale, se tient disponible pour aider les organes de la transition à réussir leur mandat, qui est, est... celui d'organiser des élections libres, crédibles et démocratiques d'ici novembre de cette année, et donc pour avoir un régime légitime qui pourra porter sur lui les, la mission de transformation et de développement du pays. – C'est un exemple à suivre pour les autres pays où il y a justement des présidents qui veulent modifier oui. la constitution pour encore faire un nouveau mandat chaque pays, vous les mettez en garde, chaque vous ?– Chaque pays a sa situation particulière, mais il est évident que nous devons intégrer l'expérience du Burkina Faso. Et la CDAO n'a pas manqué de le faire, puisque durant le dernier sommet qui s'est tenu à Abuja, les chefs d'État nous ont demandé de procéder à une analyse en vue de réviser notre protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance pour réfléchir sur tous les aspects qui pourraient donc renforcer la paix, la stabilité et la démocratie dans notre région. Ça sera fait et les résultats de cette réflexion seront soumis à la conférence des chefs d'État à leur prochain sommet. Alors il y a un autre dossier, en tant que président de la Commission, vous avez plein de dossiers sur votre bureau, le dossier Ebola notamment en Guinée, c'est quelque chose qui vous touche particulièrement, on vous en parlez beaucoup, euh, 2743 cas, c'était les, les derniers chiffres qu'on avait, à peu, entre 1750 et 2000 décès. Euh, dans ce pays, on sait qu'il doit y avoir des élections notamment en 2016. Il y aura ces élections en Guinée Bien, euh, vous savez que l'épidémie d'Ebola est un vrai défi, non seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour toute la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle la CDAO s'est attelée à apporter une réponse collective et coordonnée à cette épidémie d'Ebola qui, malheureusement, a fait plus de 7500 morts dans les pays de la CDAO au moment où nous parlons, y compris du personnel médical, à qui je profite pour redire notre admiration et notre soutien pour le travail remarquable qu'ils font sur le terrain. Mais la CDAO n'est pas restée les bras croisés. Dès le début du mars 2014, la CDAO, le Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO a considéré Ebola comme un défi de sécurité interne de la CDAO. Et donc sonner la mobilisation générale et à partir de là, l'Organisation ouest-africaine de la santé, qui est notre institution en charge de la gestion des grandes endémies, a émis plusieurs directives, a envoyé du personnel médical dans les États affectés. Et nous-mêmes, nous avons organisé le 28 août à Accra la première réunion extraordinaire des ministres de la Santé de la CDAO. Et c'est cette réunion qui a produit le plan régional de réponse à la crise Ebola que nous sommes concret, en train de mettre sur le terrain, le président. Résultat concret, la maladie est en train d'être contenue. Nos États ont organisé leur solidarité en envoyant un appui financier, un appui matériel, à l'ensemble des pays les plus durement touchés. Et la CDAO elle-même a envoyé un appui financier, a formé et déployé sur le terrain plus de 132 médecins volontaires pour aider le combat dans les pays les plus affectés. Et notre organisation, chargée donc de la lutte contre les pandémies, est en contact permanent avec les États, avec notre organisme permanent de coordination qui suit l'évolution de la situation et le dernier sommet le sommet extraordinaire puisque la CEDEAO a consacré un sommet extraordinaire à la crise Ebola le 6 novembre dernier à Accra et bien ce sommet a désigné le président du Togo le président Faure Yacouba pour être le coordinateur de notre réponse régionale. Et très bientôt, sous son égide, se déroulera à Accra, le 16 janvier prochain, une réunion de tous les partenaires de la CDAO et de la région pour faire l'état de l'évolution de la situation et coordonner nos actions en vue d'une victoire sur cette maladie. Rapidement, l'émission est terminée, donc il y aura les élections en Guinée, vous pensez, malgré cette crise je, je pense que les, 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 la crise ne doit pas être un frein à la tenue des élections, pour la bonne raison que vous savez que les élections sénatoriales mmh. se sont tenues au Libéria. Récemment, malgré donc la crise, la CDAO y était. Nous avons envoyé des observateurs et les élections se sont bien déroulées. Donc il n'y a pas de raison de penser que les élections ne puissent pas se tenir en Guinée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est la fin de cette émission. Très belle soirée sur Télé-Sud. À bientôt. Merci.